She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. To the day she got me called, I thought she was a... Salut la famille. L'affaire de mère célibataire ici me touche personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai des sœurs qui sont mères célibataires. Mais le problème de ça, c'est que ces mères célibataires-là, elles ont souvent les difficultés pour trouver un mariage ou se remarier. Je ne suis pas partisan du fait que non, quand une fille a accouché, oh, tu peux, on ne peut plus l'épouser, oui, parce que ça n'a pas arrivé à ma sœur. Oui, ça n'a pas arrivé à ma sœur, ça n'a pas arrivé à ma fille. Ça n'a pas arrivé à n'importe qui de ma famille, mais il y a un truc qui cloche dans ça. Surtout dans le milieu africain, là. Quand une femme commence à trop parler à son ex, surtout quand son ex là, il n'a même pas l'enfant, elle n'a même pas l'enfant avec l'ex là, mais elle n'est pas du temps de son ex. Ah, mon ex, il m'a appelé ça, il a éprouvé sa copine, ouais, ah, le pauvre. Fais attention, ça veut dire qu'elle m'oublie encore avec l'ex. Et même l'affaire de que wow, l'enfant, oh, chaque jour, elle va te parler de son ex, elle ne passe pas une journée sans prononcer le nom de son ex. Quand elle a un enfant avec son ex, là, elle ne passe pas une journée sans prononcer. Ah, le père de l'enfant a fait ceci. Ah, le père de l'enfant a dit que oui. Ah, l'enfant doit aller. Ah, le père, elle passe son temps à se casser la tête avec le père de l'enfant. Le père de l'enfant. Donc, les jeunes filles, s'il vous plaît, quand vous avez eu les enfants avant, hein, essayez de ne pas trop mentionner le père de l'enfant devant votre partenaire, votre nouveau partenaire. Ça ne fait pas du bien parce que, après, nous, on connaît ce qui se passe. Ça, c'est pour vous raconter juste l'histoire de cette fille ou bien de cet homme. Oui, on m'a envoyé l'histoire là, en inbox là. Un homme, il avait sa femme. Il y a deux, trois enfants. C'est, les gens du gars disent, oh, ta femme te trompe, oh, ta femme te trompe. Il dit, ah, c'est ça, vous mentez ma femme. Je connais ma femme. Mais chaque jeudi, elle disait qu'elle a prié. Elle partait à l'église, elle passait toute la journée jusqu'au soir. Elle dit que non, c'est une journée dédiée au Christ. Hein? Elle pas prié, bon, son mari, comme n'était pas trop pentecôtiste, les trucs comme ça, là, elle dit, ah, va dans tes histoires, là. Les gens viennent lui dire, ta femme te trompe. Il dit, ok, la paix, si je vais tirer ça au clair. Il a commencé à mener ses investigations. Il file la fille. C'est encore que chaque jeudi, elle dit qu'elle part à l'église, à l'hôtel, avec qui? Son ex. Il passe tout le temps, il mange restaurant, piscine, et il rentre dans la chambre, mougouli, toute la journée, jusqu'à ce que, soit quand il rentre, c'est souvent le jeudi, soit dans la nuit, là, quand il veut toucher, il dit, je suis fatigué. On a trop prié à l'église, là. Oui, oui. Il priait aujourd'hui, là, mon frère, le Saint-Esprit, là, était que. Il l'a fait filmer. Jusqu'à après, il a eu la patience, après 8 mois, il avait déjà fait au moins 100 vidéos d'elle avec ce type. Il organise maintenant l'anniversaire de la fille, l'anniversaire de la femme arrive, il organise l'anniversaire, il dit qu'il va projeter une vidéo pour elle, c'est que chérie, je t'aime beaucoup, je vais projeter une vidéo pour commémorer nos beaux moments ensemble et tout. Met la vidéo et c'est la vidéo du type de la femme avec son amant et tout devant toute la famille, tout le truc. La femme, elle est tombée, elle s'est évanouie seulement. Là, c'est m'amener à l'hôpital, oui. Et ça, et pourquoi c'est fini là? Quand c'est fini, dit que quand il la chasse, tu chasses, elle est repartie. Où elle est partie? Rejoindre cet ex là jusqu'au moment où on vous parle là, ils sont ensemble. C'est l'homme même qui commence encore à appeler que ouais, mais comment tu voyages trop avec lui, wow. Parce qu'elle vit la best life avec son ex là. Ils sont ensemble, ils ont même déjà fait deux enfants encore. Il a mis au Dubaï, c'est monde. C'est l'homme même. Donc, hein, vous les hommes, attention avec l'histoire des ex là. L'histoire des ex là. Non, c'est mon ex.
Aka, on n'a pas le droit d'être amis. Non, 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 non. Vous n'avez le droit d'être rien. Non. Si vous avez même un enfant, même, vos problèmes, c'est les avocats qui doivent régler ça. Comme les gens font ici en Europe. C'est les avocats qui doivent régler ça. Les trucs que vous êtes trop amis entre vous, les machins, vous voyez. Ah non, c'est que, hey, comment. Non, 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 non. Mm-mm. Attention, faites attention. Ah, yeah. En tout cas, la famille, on se voit très bientôt. C'était juste notre réflexion du jour. Bisous, bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, s'il vous plaît, si l'histoire vous a plu.